telle, mais... C'est bien. Voilà, nous sommes en train de prophétiser sur toi à partir des hauteurs d'Abidjan. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus pour sa fidélité, pour son amour. Voilà, vous avez vu la beauté de la ville d'Abidjan. Oh, nous célébrons le Dieu de ce pays. Alléluia. Au nom souverain de Jésus. Amen. Nous célébrons le Seigneur Jésus dans sa fidélité. Nous célébrons sa royauté sur cette nation. Nous célébrons sa victoire sur les puissances d'opposition au nom souverain de Jésus. Ce vendredi 21 avril, à partir de 21h à la salle de l'auditorium, la synepsie. Nous célébrons la victoire sur les œuvres du diable dans le nom puissant de Jésus. Côte d'Ivoire, nous te bénissons. Alléluia. Côte d'Ivoire, nous te bénissons. Alléluia. Nous prophétisons la paix. Nous prophétisons la prospérité. Oh yes. Nous prophétisons le bonheur. Oh yes. Nous prophétisons la joie. Oh yes. Nous prophétisons que tu es couvert dans le sang de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Nous nous appuyons sur les prières des pères. Amen. De ce pays. Amen. De ceux qui ont sacrifié leur vie. Alléluia. Pour ce pays dans la prière. Amen. Seigneur, nous joignons nos voix à leur voix. Oh yes. Joignons notre prière à leur prière. Oh yes. Joignons nos pleurs à leurs pleurs. Amen. Nous disons Côte d'Ivoire, sois visité. Sois visité. Côte d'Ivoire, sois visité. Sois visité. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous prions pour la paix. La paix. Et nous prions pour l'unité, l'unité de l'Église. Alléluia. Et de la nation. Amen. Nous annulons les guerres civiles. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Disons non aux guerres civiles. Amen. Nous disons au nom de Jésus que les élections présidentielles se passeront dans la paix. Amen. Dans la nation ivoirienne. Amen. Dans la paix. Amen. Dans la paix. Amen. Au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Père, nous bénissons la Côte d'Ivoire. Oh, du nord au sud. De l'est à l'ouest. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, merci parce que tu es bien. Alléluia. Au milieu de nous. Amen. Merci parce que ta main est évidente au milieu de nous. Amen. Que la gloire, l'honneur, la force, la dignité, la célébrité soient rendues à Jésus-Christ. Alléluia. D'âge en âge. Alléluia. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. 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 Alléluia. Je vais déclarer une parole sur la Côte d'Ivoire avant qu'on ne s'asseye. Oh Seigneur, nous continuons à je déclare la suite de ton serviteur. Amen. Seigneur, que cette nation... Seigneur, nous déclarons qu'il n'y aura pas de schisme entre les différentes tribus. Amen. Les Dioula, les Bété, les Bourou. Amen. Et toutes les autres, Seigneur, tribus qui que constituent la Côte d'Ivoire. Nous déclarons la paix et l'unité au milieu de vous la au nom paix, de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons l'entente entre ces tribus. Amen. Il n'y a pas d'Ivoirien majeur, il n'y a pas d'Ivoirien mineur, mais c'est un seul peuple. Amen. Un peuple béni qui aspire à un idéal. Amen. L'idéal, Seigneur. Il y aura un boom bientôt en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a des richesses, il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes, qui vont être découvertes. Amen. Et qui vont provoquer un boom économique dans cette nation. Amen. Nous commandons que ces choses soient découvertes. Et que la Côte d'Ivoire, Seigneur, entre dans une nouvelle dimension de son existence au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le chef d'État. Merci, Seigneur, pour ces ministres. Merci pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Nous les bénissons avec la sagesse qui leur permet, Seigneur, de mener à bien. Seigneur, de conduire cette nation, de diriger cette nation Amen. Vers sa destinée glorieuse. Amen. Côte d'Ivoire, tu es béni. Tu es béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Amen. Nous allons partager la vidéo au maximum. La vidéo au maximum, s'il vous plaît. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour sa fidélité, pour sa royauté, sa dignité. Amen. Au milieu de nous. Amen. Et nous voulons vous exhorter. Ton téléphone.
Nous voulons vous exhorter, bien-aimés, où que vous soyez, de vous connecter massivement à ce direct. Il ne faut pas trop t'éloigner, sinon le son ne sera pas bon. Il faut, La soirée est une grande soirée. Amen. Une grande soirée. Oh, une soirée de victoire. Une soirée de puissance. La Côte d'Ivoire. Ça, c'est une veillée d'âme. Avant ce vendredi, Yopougon, sable. Amen. Pour la gigantesque nuit de prophètes et de prophéties. Personne ne doit rester couché. Réveillez ceux qui dorment, réveillez ceux qui sont fatigués. Ça, c'est un temps extraordinaire. Ne manquez sous aucun prétexte. Wow. Ce soir, nous voulons prier avec vous. Ce soir, nous voulons manifester sa grâce dans vos vies. Nous voulons partager, parce que l'apôtre Paul a dit que nous sommes des dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Oh, nous voulons partager ces grâces avec la Côte d'Ivoire et avec d'autres nations. C'est-à-dire recevoir la bénédiction à partir de la Côte d'Ivoire. Amen. La Guinée-Conakry, le Mali, le Sénégal. La Sierra Leone, toutes ces nations, le Burkina, le Togo, soyez connectés maintenant. Amen. Dieu fait une chose nouvelle. Amen. Dieu te visite, Dieu bénit ta famille. Amen. Dieu te fait du bien aujourd'hui, au nom de Jésus. L'ange de Dieu marche dans ta maison par la raison de la connexion à ce direct, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons parlé le matin, on a commencé avec le principe des portes ouvertes. Tout à fait. Nous voulons que les gens comprennent avant de prier sur eux. Que les portes ouvertes, la Bible, comme nous avons vu le matin, on a développé dans la page de mon bien-aimé, nous avons parlé du principe des portes ouvertes. Vous voyez, tout ce que nous faisons dans la vie, le royaume de Dieu est basé sur le principe des portes, vous voyez, des portes spirituelles. Amen. Et quand vous lisez attentivement les Saintes Écritures, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle la porte des cieux. Vous voyez, avec Jacob, on a vu cela, il y a ce qu'on appelle la porte des cieux. Il y a ce qu'on appelle la porte du Hadès. Vous voyez, quand Jésus dit Otilego sou eis petros, en taoutete petra, ekonomes moutel ecclesia kai poulaï, ad ou katiskoussin aoutes. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer, kai poulaï ad ou katiskoussin aoutes, ne vaincront jamais mon église. Vous voyez. Donc il y a ce qu'on appelle la clé de David, ou la clé de la maison de David. Vous voyez. Là il s'agit des portes de David, ou de la maison de David. Dans Isaïe chapitre 22, le verset 22. Voici, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira, personne ne fermera, il fermera et personne n'ouvrira. Il y a ce qu'on appelle les portes de la destinée. C'est-à-dire que chacun de nous a des portes dans sa vie. Et Jésus dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi. Donc, vous verrez qu'il y a le principe des portes ouvertes. Et l'une des premières puissances que Jésus donnera à l'église, c'est les clés. Il dit, dosso soidas, cléidas, tes basilia, ton oranoi, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, et il dira que, parce que les portes de l'enfer sont ouvertes contre son église, il donne à l'église les clés du royaume des cieux. Et ces clés-là ont une influence puissante et redoutable sur les portes de l'enfer. Lorsque vous avez les clés du royaume des cieux, vous refermez les portes de l'enfer ouvertes contre votre vie. Et avec les clés du royaume des cieux, vous pouvez ouvrir aussi les portes de la maison de David. Ce sont les portes qui parlent de la bénédiction dans votre vie. Donc j'ai l'habitude de dire que lorsque vous remarquez que votre vie ne marche pas, que tout ce que vous entreprenez ne fonctionne pas, lorsque vous remarquez que la puissance de l'ennemi est en train de mildiouser, de gangréner votre vie, et que votre vie va en arrière, c'est-à-dire que vous régressez en tout point dans votre destinée, c'est que les portes sont fermées. Tout à fait. Une personne dont les portes spirituelles sont fermées est une personne qui ne peut pas prospérer. Et une personne dont les portes spirituelles sont ouvertes est une personne que rien ne peut empêcher de prospérer. Donc, la guerre est une guerre des portes. Il faut que tu te poses la question et que tu réponds à cette question. Les portes de ma vie sont-elles ouvertes ou alors sont-elles fermées? Tout à fait. Il faut dire que Maïmoudoc déclare, je cite, « Autour de l'ouverture de chaque porte, il y a toujours une bataille. » La bataille se fait au niveau des portes. Dans l'ancien temps, on se souvient, dans la Bible, dans les temps bibliques,
les grandes décisions étaient prises aux portes de la ville. Oui. Et c'est là où les gens pouvaient être maudits, c'est là où les gens pouvaient être bénis. Mm. C'est là où les gens pouvaient expérimenter l'élévation, c'est là où les gens pouvaient expérimenter l'abaissement. Donc la porte est un endroit stratégique dans la vie de chaque être humain. Mm. Donc ton miracle, ton élévation, comme le révérend prophète Ferdinand le dit tout à l'heure, détermine la dimension dans laquelle tu peux arriver dans la vie. Amen. C'est pourquoi il est important que le maximum de personnes se connectent et que vous soyez connectés à cette prière, que vous receviez cette prière avec foi. Amen. Pour que vous puissiez entrer dans la prochaine saison de votre vie. Voilà, partageons la vidéo, partagez la vidéo et nous prions pour ceux qui partageront la vidéo et nous, au moins à 10 personnes. Et n'oubliez pas de mettre des pouces. Envoyons des pouces bleus. N'oubliez pas de mettre les je t'aime. Voilà. Donc allons-y. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Et il faut dire que dans Genèse chapitre 22, le verset 17, Dieu parle à Abraham, il lui dit, et ta postérité possédera les portes, la porte de son ennemi, de ses ennemis. Mmh. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Voyez, celui qui possède la porte de ses ennemis a possédé ses ennemis. Parce qu'en réalité, vous devez savoir que la maison, c'est elle qui est le garant du trésor. C'est-à-dire que la maison, c'est elle qui garde le trésor. Et lorsque vous avez la clé, celui qui a la porte d'une maison, automatiquement, a la maison en elle-même. Or, personne ne peut prendre contrôle sur une porte à les clés. Donc vous verrez que, comme on a l'habitude de dire, la porte ne reconnaît pas juste celui qui l'a fabriqué, ou bien la maison n'ouvre pas la porte à son propriétaire uniquement, mais la maison obéit à celui qui a les clés. Donc si les clés de votre vie sont entre de mauvaises mains, alors votre vie souffrira. On doit prier pour cela. Amen. Qui détient les clés de ta vie, qui détient les clés de ta destinée. Bien, mais nous voulons prier avec vous ce soir pour que les gens comprennent que la prière est un élément essentiel. N'est-ce pas, j'ai reçu les clés du séjour de la mort et du séjour des morts. Christ, le second Adam, a reçu ces clés. Il a récupéré les clés. Les clés de nos vies, les clés qui étaient en les mains de Satan, les clés de la domination, il a remis à l'église et nous sommes les représentants d'église. Amen. Il a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme évangélistes, d'autres comme docteurs. Et donc nous sommes des dons que Dieu a fait à l'église. Amen. Il a remis les clés entre nos mains afin que nous puissions ouvrir, comme il a dit à Pierre, il lui donne l'autorité d'ouvrir. Donc nous voulons ouvrir les portes fermées de votre vie ce soir en tant qu'apôtre, en tant que prophète de l'Éternel. Je pense que les gens peuvent commencer à déposer les yeux de prière. Oui, voilà, quel est le domaine de votre vie où vous sentez que la porte est fermée? Vous voyez, dans chaque domaine, nos vies sont divisées en domaines ou bien en champs de prédilection ou en département. Vous voyez. Comment on fait pour... Voilà, bien-aimé, tu ne peux pas... Voilà, c'est bon. Vous ne pouvez pas réussir dans un... Vous ne pouvez pas réussir dans un domaine où vous n'avez pas le contrôle des portes. Lorsque vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous marier, le temps passe, vous avez tous les atouts pour vous marier, mais vous n'arrivez pas à avoir une relation stable sur le plan sentimental, ça veut dire que vous n'avez pas encore conquis la porte du mariage dans votre vie. Lorsque vous vous rendez compte que dans vos finances, vous vous battez comme un éléphant, mais vous avez le salaire d'une fourmi, c'est-à-dire que sur le plan des affaires, le plan financier ou matériel, vous n'avez pas encore conquis que les choses sont impossibles. Chaque domaine de votre vie, vous avez l'échec. Ça veut simplement dire que vous ne possédez pas la porte de ce domaine de votre vie. Alors maintenant, c'est à vous seul de savoir, vous savez, le domaine de votre vie que vous ne maîtrisez pas. C'est bon, ça s'est arrêté encore. Quel est le domaine de ta vie où tu sens que les portes te sont fermées? Tu peux avoir des portes ouvertes dans un domaine, mais des portes fermées dans un autre domaine. C'est comme ça que la vie fonctionne en fait. Tu réussis ou tu as pu conquérir et soumettre les portes. Tu réussis ou tu as pu avoir les clés pour ouvrir les portes du succès dans ta vie. Donc, quel est le domaine de ta vie ou quels sont les domaines de ta vie où tu sens que tu n'as pas les portes? Au sujet de prière, quel est le domaine de votre vie où vous sentez que les portes sont fermées? Nous voulons les ouvrir. Et ce vendredi, à partir de 21h, je serai en live à la Synepsie. Beaucoup de personnes nous voient à la télé ou bien sur Facebook. Venez très nombreux à la Synepsie, à Yopougon, Sable, à partir de 21h jusqu'à l'aube pour recevoir l'ouverture des portes fermées. Nous allons prier avec vous, déclarer la parole de l'Éternel et la main de Dieu vous apportera la délivrance. Alléluia. Il y a Annette Niot, depuis la France, elle demande la prière dans le domaine des finances, des études, des enfants, le mariage, le bonheur dans le travail.
Elle travaille comme un éléphant et puis elle récolte comme une fourmi. Fourmi, elle s'appelle? Elle s'appelle Annette Niort. Père, nous prions pour Annette Niort au nom souverain de Jésus. Oh, yes. Que son salaire lui soit donné. Amen. Que la grâce qu'elle mérite lui soit accordée. Amen. Au domaine de ta vie est fermé, est bloqué. Amen. Voulons débloquer cela parce que nous avons les clés. Amen. Il y a également à moi Yvette Kouadio. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Kouadio, c'est un nom ivoirien, ça. Il faut dire que moi, je m'appelle maintenant Bakayoko. Et moi, Ferdinand. Il n'y a pas de. Moi, je suis plus camerounais. Maintenant, c'est Bakayoko Ferdinand. Je suis venu ivoirien. Oui. Donc, je m'appelle Kofi Ndessa Arsène Kamto. Voilà. Moi, c'est Bakayoko Ekane Ferdinand. Ok. Donc, nous sommes ivoiriens maintenant. Ouais. Donc. Et c'est scellé, hein? C'est scellé. Ouais. Donc, il y a Kouadio qui nous écrit en moins. Yvette Kouadio, mariage et enfantement. À moins, Kouadio reçoit le fruit des entrailles au nom Amen. De Jésus. Reçois le mariage au nom de Jésus. Amen. Je commande que tes entrailles soient. Santé, mariage, travail. Oui. Père, que ces trois choses soient données. Amen. Au-delà de ce qu'il peut imaginer et penser. Amen. Nous déclarons que la santé, le mariage et le travail sont restaurés dans votre vie. Amen. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Il y a également Anastasie. Oh là là, c'est parti. C'est parti. Oui. Donc, il y a Sarah Nelouche, mariage, finance. Donc, mariage, finance. Reçois cela, Nelouche, au nom de Jésus. Amen. Tu es béni, tes portes sont ouvertes. Reçois des domaines de travail, tu es dans ton travail libéré, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a donc clarinette Nankyo, shalom papa. Oh. Okay. Shalom à toi également, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Vous êtes tous bénis. Il y a Gracie Manesta, tous les domaines sont fermés, mariage, santé. Manesta, je déclare les portes du mariage ouvertes dans ta au vie, nom les de portes Jésus. Des finances ouvertes dans ta vie, Amen. Les portes du travail ouvertes. Toutes les portes dans ta vie sont ouvertes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous voulons donner la parole à quelques frères ivoiriens. Qu'est-ce qui vous marque? Est-ce que vous êtes prêts pour la salle de la synepsie à Yopougon Sable ce vendredi à partir de 21h et dimanche à partir de 17h, ce sera la soirée d'impartition. Oui, voilà. Kofi Ngessa. Donc voilà. Moi, c'est le prophète Bakayoko Ekane Ferdinand. Moi, c'est le prophète Kofi Ngessa Arsène Kamto. Voilà. Voici le numéro WhatsApp à lequel vous pouvez nous avoir immédiatement maintenant. Plus 237 272 13 03 23. Amen. Ça, c'est le premier numéro WhatsApp. Je vous donne le deuxième numéro WhatsApp. Vous pouvez nous avoir tout à l'heure en direct. Vous pouvez appeler au. Plus 237, qui est l'indicatif du Cameroun, 692, 40. Connexion au nom de Jésus. Amen. Là, c'est bon maintenant. Plus 237, 692, 40, 71, 86. Plus 237, 692, 40, 71, 86. Ça, c'est le numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous avoir en direct ce soir. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes prêts pour cette grande rencontre? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la grande nuit des prophètes de la prophétie qui se tiendra du côté de la salle de la synepsie à Yopougon, quartier Yopougon Sable? Amen. Envoyez-nous simplement, donnez-nous un appel si vous êtes en Côte d'Ivoire et nous voulons écouter votre témoignage. Alléluia. On a des appels, mais là, c'est pas la Côte d'Ivoire. On va quand même prendre cet appel-ci. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, est-ce que vous êtes en Côte d'Ivoire? Non, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je suis au Gabon. Oui, bon, attendez, on va vous prendre après, s'il vous plaît. Oui. On veut les frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont dire... Allô? Allô. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes en Côte d'Ivoire? Je suis très heureux de vous avoir dans mon pays. Oui. Au sujet des mariages. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir deux prophètes venant du Cameroun dans votre nation, la Côte d'Ivoire? Et comment est-ce que vous vous préparez spirituellement pour ce grand programme? Les Ivoiriens et les soeurs ivoiriennes. Appelez-nous, s'il vous plaît, à ce numéro qu'on a donné.
Et dites-nous comment vous vous préparez pour ce programme, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que on a deux grands prophètes par la grâce de Jésus-Christ qui sont dans votre nation. Plus 237 672 13 03 23. On va prendre cet appel de la Côte d'Ivoire. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous appelez de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait, ce programme que le Saint-Esprit organise pour les Ivoiriens? Et comment vous vous préparez? Non, c'est une très bonne chose. Je suis Camerounais, je réside en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Je bénis Dieu pour votre arrivée. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. On a deux sites qui sont distincts. Le Pougon, qui est un site vraiment ouvert à tout le monde. Mm-hmm. Et Bellecôte, qui est un peu restreint pour une classe, on va dire, moyenne. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, le Seigneur va... Amen. Parce qu'il ne connaît pas la différence entre un corps physique et un esprit. Ouais. Donc, on bénit Dieu pour votre arrivée. On est impatients de vous rencontrer. Mm. Et quel est votre sujet de prière? Ah. Pardon? Vous avez appelé? Oui, j'ai appelé déjà pour faire ma révélation pour Bellecôte, comme je n'habite pas loin. Mm-hmm. Donc, je serai présent là-bas avec Mon fils. Pougon, waouh, Yo Pougon. Ça va chauffer Yo Pougon ce vendredi à partir de 21h. Alors dites-nous, comment est-ce que vous vous préparez? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a des prophètes qui visitent la Côte d'Ivoire et qui veulent bénir le peuple ivoirien? Ça me fait vraiment du bien. Je dis vraiment parce que spirituellement déjà, c'est pas très facile pour moi, déjà, parce que depuis, j'ai des attaques et tout ça. Et puis de savoir que l'homme de Dieu, les hommes de Dieu tiennent, en tout cas, c'est une puissance que Ténèbres déverse en Côte d'Ivoire pour que les familles soient relâchées. Amen. En tout cas, dans tous les domaines, vraiment, il y a des personnes intelligentes dans la famille, mais personne ne travaille. Il y a, il y a pas de mariage, il n'y a rien. La débat, comment appeler ça, c'est vraiment. Trop loin en fait, c'est de l'obscurité. Mm. Et puis mes parents sont dans le fétichisme seul, hein, dans la foi, à me battre d'ailleurs pour ça, parce que les moments de chavis, les moments de papa, que ça me réagisse à ma vie et que ma famille soit totalement saine. Amen. Amen. Voilà le prophète. Prophète Kofi. Kofi, ok. Prophète Kofi. Amen. Pour moi, de savoir. Ici avec votre collègue également qui, mmh. est lui par contre je connais pas, mais vous je vous connais, j'ai suivi vos prêches avec votre fille qui chantait pour votre anniversaire, tout ça, donc je vous suis quand même depuis Abidjan. Lui c'est le prophète Kofi Gessan Kamto Arsène, Cameroun. C'est mon frère, c'est Nguessan, moi aussi je suis Nguessan Stéphanie. Ah wow, en plus c'est connexion. Nguessan, tu vas, il faut prier pour elle, pour ton homonyme. Mon homonyme, c'est, voilà. Je déclare, je te mets dans la liste des 20 premières personnes à recevoir un miracle. Amen. Tu ne retourneras pas de ce programme Amen. Sans recevoir la touche de l'Éternel Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est vrai que la parole est aux Ivoiriens, hein, parce que le prophète Nguessan Kofi Kamto Arsène a reçu un appel de son homonyme Nguessan tout à l'heure. Et c'est moi, prophète Bakayoko et Kane Ferdinand, qui n'arrive pas à avoir un homonyme. Est-ce qu'il n'y a pas un Bakayoko aussi pour m'appeler en direct? Alors, vous appelez Toulouse. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens qui sont en train de se préparer pour ce grand programme? Ici, là, au niveau de Yopougon et au niveau de l'hôtel Bellecôte. Je n'ai pas. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens qui ont la visite de deux prophètes pour ce Yopougon ce vendredi à 21h et à la salle de conférence de l'hôtel Bellecôte dimanche à partir de 17h? Alors, que vous leur apportiez la paix et la sérénité. Amen. Amen. D'accord, quel est votre sujet de prière? Alors, papa, moi je voudrais que vous
prier pour moi pour un dossier qui est bloqué à la banque depuis octobre. Oui. S'il vous plaît. Et ce dossier. Où j'en ai cherché à venir au Cameroun. Wow. Voilà, mais malheureusement, comme je n'ai pas de moyens, et votre arrivée ici en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est merveilleux. Amen. C'est comme, wow. C'est comme si Dieu m'avait donné même peut-être un avion, un jet privé même pour arriver au Cameroun. Wow. Je me sens plus camerounais qu'un Ivoirien. Oh, amen. Nous-mêmes, nous Ivoiriens. Là, c'est le frère Kofi Guessant, Kamto Arsène, moi, c'est le prophète Bakayoko et Kana Ferdinand. Akwaba, Akwaba. Akwaba. Merci. Oui. Oui. Alors, donc, demain, on sera tous à Yopougon. Amen. Avec femmes, enfants, toutes les familles. Toutes les familles, oui. Côté maternel, paternel, toutes les familles doivent être présentes. Parce qu'il faut dire pendant la nuit. Moi, j'aimerais toucher le prophète. J'aimerais toucher le prophète de mes mains. Amen. Que Dieu vous a déjà exaucé. Le dimanche, je fais le culte avec vous. Waouh. Waouh. Par Facebook, bien par la télévision. Vous le faites par quel moyen? C'est par Facebook ou bien par la télé? Dans la télé. Parce que j'ai acheté un décodeur là. Oui. Et du coup, je regarde, je vois que les émissions religieuses qui passent, et je regarde votre façon de prêcher, votre façon, vraiment votre manière, l'onction que Dieu a mis vous, sur vous m'a tellement impacté que vraiment je ne peux plus m'en passer. Amen. Donc, chaque jour que Dieu fait, en tout cas, je suis resté scotché à Joe Chanel. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous sommes heureux de le savoir. Amen. Et nous avons hâte de vous voir demain physiquement. Dieu m'aime beaucoup. Spécialement pour toutes les familles. Oui. Il y aura une plage réservée à toutes les familles. Toutes les familles. Venez avec toute la famille, s'il vous plaît. Recevez la bénédiction. Allô, bonsoir. Allô, papa, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Abidjan. Je veux de la Côte d'Ivoire. Ah, ça c'est beau ça. Alors, quand est-ce que vous avez appris que je suis à Abidjan? C'est depuis avant-hier, j'ai vu le message sur Facebook. Vraiment, ça m'a tellement ému que j'ai dit, quand je regarde vos prières vraiment sur Facebook, j'ai dit, je mets en commentaire que je te vois face à face. Tout ce que je mets. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est que Dieu m'aime là. Quand on parle là, il écoute. Donc, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Soyez bénis vraiment. Amen. Amen. Merci, amen. Merci. Nous avons hâte de vous voir physiquement ce vendredi à partir de 21h à Yopougon. Amen. À la salle de la synepsie. Amen. D'accord. Oui, est-ce que vous avez passé de l'annonce autour de vous? Non. D'accord. Nous comptons sur vous pour le faire. Parce que vous êtes évangéliste. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Demain, bye. Oh, ça c'est extraordinaire. Allô? Allô? Allô, Ba? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, Ba. Oui, vous appelez d'où? Ici à Abidjan, à Kumasi. À Kumasi. Mmh. Alors, comment vous vous préparez pour Yopougon ce vendredi 21 avril à partir de 21h à la salle de la synepsie? Oui. Je serai, Ba. Est-ce que vous avez passé l'annonce quelque part? Oui, j'ai déjà invité les gens déjà. J'ai déjà invité mes frères, j'ai invité des amis. Que Dieu vous bénisse. Nous avons hâte de vous voir. Nous avons vraiment hâte de vous voir ce vendredi. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, ça c'est extraordinaire. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui, vous appelez d'où? De la Côte d'Ivoire. À quoi bas? Comment vous vous préparez pour la campagne, la nuit de prière à Yopougon, à la synepsie? Je suis déjà prête. Je suis déjà prête. Amen. Est-ce que vous avez passé l'annonce autour de vous?
Oui, j'ai passé l'annonce autour de moi. Mm-hmm. J'ai parlé de ça avec mon mari. Oui. Oui, c'est un homme de Dieu aussi. Mais vraiment, les moyens vont faire que c'est mon seul sommet qui va venir. Amen. Ça me fait tellement mal. J'avais voulu qu'il soit là. Dans tous les cas, on a encore 24 heures jusque-là. Le Seigneur peut opérer un miracle et nous croyons au Seigneur. Nous croyons au Dieu des miracles. Amen. Nous prions même que nous déclarons qu'il y a un miracle. Un miracle. Oui. On veut que votre mari soit là. Il y a une grâce qu'il doit recevoir. Oui. Vous êtes dans quel Vous êtes à Abidjan? Vraiment, ça faisait, mais vraiment, on s'en va dans un an que je suis la télévision à chaque fois. Waouh. J'ai même écrit les messages sur ce numéro plusieurs fois, mais je n'ai pas reçu de retour. Vous savez, il y a des dizaines de milliers de messages en même temps et c'est presque impossible de répondre à tout le monde. Oui, c'est la vérité. Oui. Je suis conscient de ça. Mais la déclaration du prophète Guessant Koufou va s'accomplir. Je suis en direct. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons hâte de vous découvrir demain en face. Amen. Je serai là. Ah, ça c'est beau ça. Ok, prophète Guessant, nous continuons avec les prières. Oui. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous appelez d'où? J'appelle du Côte d'Ivoire, Abidjan. Abidjan. Alors, vous avez appris qu'on est à Abidjan depuis quand? Oh, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Vous avez appris que nous sommes, moi, le prophète Bakayoko et Guessant Koufou, ils sont à Abidjan depuis quand? Depuis le début, hein, depuis le début des affiches, parce que je vous suis sur votre page Facebook. Ah, ok. Et puis sur YouTube aussi, je suis vos enseignements qui me font beaucoup de bien. Amen. Et voilà, c'est vraiment une joie pour nous de vous recevoir sur la terre du Côte d'Ivoire. Amen. Et c'est vraiment une grande joie pour nous, parce que quand je vous suis, je me posais la question de savoir, mais quand est-ce que le prophète sera en Côte d'Ivoire pour nous bénir aussi, comme il bénit le peuple camerounais. Voilà. Et le Seigneur, en fait, le Seigneur l'a fait finalement. Oui, le Seigneur l'a fait finalement, il a entendu nos prières. Mais prophète, malheureusement, demain je ne serai pas disponible. Et je ne sais pas comment faire pour participer à l'implantation du dimanche. Oui, voilà, il faut savoir que si vous n'êtes pas l'année de prière vendredi, dimanche sur place, vous aurez votre bouteille d'huile de faveur et votre badge sur place. On va disposer ça pour ceux qui d'accord. n'auront pas été à la nuit de prière. Vous les aurez à l'entrée. D'accord, donc on peut venir directement dimanche prendre le badge et lui le faveur. Oui, dimanche à partir de 17h à la salle de l'hôtel Bellecote. Salle de conférence. D'accord. D'accord, voilà, que Dieu vous bénisse. Très loin de chez moi, je serai. Amen. 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 On a hâte de vous découvrir. Hein. Alléluia. Ça c'est beau ça. Pour faire que ça, nous sommes dans les appels toujours. Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir papa. Oui, vous appelez d'où? Oui. Mais je me suis déplacée un peu. Vous êtes déplacée un peu. Vous ne vous êtes pas déplacée beaucoup, juste un peu. Oui, oui. Je suis venue pour quelques jours en Ouganda. En Ouganda, d'accord. Oui, oui. Oui. Quel est le message que vous passez à tous les Ivoiriens donc qui sont restés? Vraiment, je demande à tous les Ivoiriens de participer à cette grande veillée de prière. Dieu vraiment se souvient de tous ces Ivoiriens. C'est une chance pour eux. Amen. Les Ivoiriens de recevoir ces deux prophètes en Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le prophète Koufou Nguessant va vous bénir. Amen. Je vous suis. Allô? Oui, nous vous suivons. Allô? Oui, allez-y, nous vous suivons. Je vous suis sur les réseaux. Mm-hmm. Je vous ai écrit plusieurs fois, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Oui, j'avoue que c'est compliqué de répondre à tout le monde. C'est ça. Mm-hmm. Justement. Tout à fait. Vous êtes béni au nom de Jésus. La grâce Amen. Et la faveur de Dieu vient sur vous, sur vos enfants. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Rendez-vous demain soir à partir de 21h. Oh là là. Que Dieu vous bénisse, maman. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous appelez d'où? J'appelle de Hongrie, Abidjan. Ah, Hongrie, Abidjan. Ok. Oui, je suis très content de savoir que vous êtes là, maman. Amen. Ah,
Depuis combien de temps j'attends, je regarde vos presses et vos prêches. Et c'est quel jour le prophète va venir, quel jour va venir, enfin il est là. Je suis très 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 contente et je remercie Dieu d'avoir permis que vous puissiez arriver sain et sauf. Amen. Vous serez là demain, à la nuit de prière, le 21. Je serai là dimanche. Dimanche. Oui, dimanche. Mais pourquoi vous ne serez pas là vendredi? À cause du travail, je ne pourrais pas être là demain. Ah, vous travaillez la nuit, hein? Oui. D'accord. Dans tous les cas, le Seigneur vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Parce que c'était possible de demander la permission, il fallait le faire parce que il y a des rencontres qui sont uniques dans la vie. Nous, on a tous les jours au Cameroun, on est venu ici, le prophète Nguessan Kofi et moi le prophète Bakayoko et Kane Ferdinand. Okay, dans tous les cas, vous avez encore 24 heures pour y réfléchir. Que Dieu vous bénisse. On souhaite vous voir vendredi et nous vous attendons vendredi. Que Dieu vous bénisse. Bye. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre direct. Nous vous bénissons. Le révérend prophète Kofi Nguessan Kamto Arsène va prier pour tout le monde et bénir tout le monde. N'oubliez pas, à la Synepsie, la salle, l'auditorium de la Synepsie, à Yopougon Sable, à partir de 21h jusqu'à l'aube, et la salle de fête de l'hôtel Bellecôte à partir de 17h. Pour la conférence d'impartition, chacun doit avoir sa bouteille d'huile de faveur et son badge de participation à la conférence d'impartition. On va prier sur toi et la grâce de Dieu se manifestera. Après cela, nous sommes au Togo. Amen. Du 25 au 30 avril, nous allons finir le mois d'avril au Togo. Samedi le 29, ce sera la grande soirée d'impartition au Togo. Ce sera à Sarbato Logoté et dimanche le culte des familles avec service de Wendt gratuitement distribué à toutes les familles qui participeront au grand culte. Alléluia. Il est bon toujours de élevons cette nation, la Côte d'Ivoire qui nous accueille en les mains du Seigneur. Amen. Et Seigneur, je voudrais prier pour toutes ces personnes qui ont été connectées à ce direct du Cameroun. Parce qu'il y a des gens au Cameroun qui commencent à pleurer, ils disent qu'ils veulent notre retour. Oui, on ne peut pas rentrer là-dedans. Nous avons été appelés pour toutes les tribus, pour toutes les nations, amen, pour tous les continents. Donc le Cameroun va prendre son mal en patience. Amen. La Côte d'Ivoire a besoin que la grâce que l'Éternel a déposée dans nos vies, n'est-ce pas? C'est le numéro public. Là, c'est bon? D'accord. Donc, nous voulons déclarer sur la vie de toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde entier. Vous êtes bénis. Les amen. Portes de vos vies sont ouvertes. Amen. Les portes du mariage ouvertes. Amen. Les portes du travail ouvertes. Les portes académiques ouvertes. Amen. Les portes de la promotion ouvertes. Amen. Quel que soit le domaine de votre vie, nous déclarons ce soir, les portes sont ouvertes au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons que les portes même de ce programme, de cette nuit de prière sont ouvertes. Amen. Quiconque désire assister, participer à ce programme, vendredi et dimanche, nous déclarons que les portes lui sont ouvertes au nom de Jésus. Amen. Personne ne manquera ce programme par manque d'argent. Amen. L'argent est pourvu pour chacun d'entre vous ayant la volonté de venir. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons, Seigneur, à cette fin que la Côte d'Ivoire est bénie. La grâce de Dieu sur cette nation, amen, la faveur sur cette nation, Seigneur, et toutes sortes de bénédictions sur tout le comité d'organisation de ce programme. Seigneur, ils sont protégés, préservés, ils sont gardés, leurs familles sont bénies, élevées. Père, je déclare, personne ne viendra à ce programme et retournera comme une femme. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute personne entrant dans l'esplanade, dans la salle de ce programme, que amen, ce soit vendredi ou dimanche, retournera avec sa grâce, sa amen, portion, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.